do you fear the modern world? Salut tout le monde! Angry Metal Guy l'a découvert. Alias en a fait les éloges et je l'ai acheté. The Land Under the Black Wings Blood est un album du groupe biélorusse Dymna Lotva. Et si plein de monde l'a encensé, ce n'est pas sans raison. Du coup, je n'ai pu résister à l'envie de vous le présenter à mon tour. On parle ici de 72 minutes de post-black metal torturé et 13 morceaux que j'écoute en boucle depuis son achat. Le duo a l'air bien atteint, tout particulièrement la chanteuse aux bras recouverts de scarification. Mais après ce qu'ils ont traversé dans la vie, on peut comprendre. L'album a tout pour faire peur. Plus d'une heure de doom post-metal avec pas mal de cris et de growls, une thématique glauque à souhait et un artwork morbide. Je l'ai pourtant adopté dès la première écoute comme ma chérie, pourtant assez douillette avec ce genre d'atmosphère lugubre. Deux voix se rencontrent ici sur un post-metal riche en sonorités, disons exotiques pour le genre, comme des cloches, du saxophone, des cordes, beaucoup de piano, des chœurs, des pleurs d'enfants, les paroles d'une femme, des hurlements, plein de hurlements en fait, et pas mal de guitares mandolines. Étrangement, tout cela est très mélodique et homogène, à tel point que l'on croirait entendre un unique titre long de 72 minutes. L'album aurait pu figurer comme BO de l'Exorciste ou de Dracula, avec ses hurlements et son écriture très cinématique. Sauf qu'ici, on ne parle pas de fantastique, mais d'horreur bien réelle. The Land Under the Black Wings Blood parle en effet de l'occupation de la Biélorussie pendant la Seconde Guerre mondiale, et fait étrangement écho à la répression sanglante dans ce pays et l'actuelle guerre en Ukraine. Le quatrième morceau, très justement intitulé « L'enfer », devrait vous hérisser les cheveux sur la tête. Tout commence par un enfant parlant d'étranges manières, pendant qu'un autre pleure sur un doom martial martelé au piano. Puis soudain, la chanteuse se met à hurler d'effrayantes manières, comme si un soldat russe lui arrachait les tripes. Et le titre poursuit, après un long passage au saxophone, dans de nouveaux hurlements de terreur. Un assemblage assez effrayant qui pourtant donne un morceau étonnamment mélodique. Allez comprendre. Et si l'album comporte quelques passages relativement éthérés, dans l'ensemble, le groupe ne relâche pas la pression. Il faut dire qu'ici, le thème abordé est celui de l'oppression. Normal pour un groupe biélorusse qui s'est exilé en Ukraine avant de fuir vers la Pologne sous une pluie de missiles russes. Ne tournons pas autour du pot, cet album est une énorme claque dans la gueule de nos camarades Popov. The Land Under the Black Wings Blood rentre de ce pas dans la petite liste de mes albums de l'année. Je l'ai tellement aimé que je viens de commander l'édition Digipack de CD. Bon, le second CD n'a pas grand intérêt. Toutefois, avant de vous jeter sur le vinyle ou une autre édition, allez l'écouter d'abord sur Bandcamp, surtout si vous n'êtes pas un métalleux. Vous pourriez quand même prendre peur. Merci à Alias pour cette magnifique découverte. On se retrouve la semaine prochaine pour quelque chose de peut-être un peu plus calme. Allez, bisous!